Allez, me revoilà pour une suite d'Uncharted. Alors, j'ai rien encore construit, rien du tout, à l'arrache. Ce qui est vachement intéressant, c'est que j'ai vu à peu près hop, ce que je voulais faire. Hop, 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 ça, il me faut ça. Je pense que je vais le mettre. Bon, on verra. Je vais essayer de voir si je peux déposer un maximum de trucs là parce que. Aïe, ça va être compliqué cette histoire. Me dis pas qu'il faut que je fasse un deuxième. Je fasse un deuxième, un troisième, quatrième même. On va faire un autre. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de place. Pis, hein. Alors, il est ici, c'est 5. Ok, 5. Voilà. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre beaucoup de choses dedans. Genre, par exemple, le râteau. Le râteau, on n'en a pas besoin. Le marteau non plus. J'en ai une, deux. Alors ça, c'est pour l'intelligence. Constitution. Constitution. Tac, tac, tac. Je vais regarder un truc parce que c'est. Hop. Et ça, c'est régénération de santé. Alors ça vaut le coup. On va le mettre à la place d'intelligence. Et ça, c'est endurance. Oh, l'endurance. Alors, on est 9 ici. Ok, on va le mettre à la place de celui-là. Ok, endurance. Ça, c'est intéressant quand même. Parce que j'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe. Je n'ai pas voulu justement regarder toutes les indications qu'il y avait sur la bouffe. Je m'en foutais un petit peu. Mais là, je pense que là, ça va commencer à piquer un petit peu. Là, il faudra vraiment. Regardez comme il faut. Alors, hop. Voilà, ça, on va se débarrasser de ça. Ça, je vais le garder. Il me faut absolument des armes, disons des flèches. C'est pas beaucoup. On va pas utiliser ça. Ça, par contre, je vais le garder. J'aurais peut-être besoin de ça et peut-être besoin de ça, mais je suis pas sûr. Ça, on va le déposer aussi. Ça va faire de la place. Endurance. Ça, c'est pour l'eau, résistance et recharge en endurance. Oh, c'est pas mal ça. Ah, ça fait les deux. C'est pas mal. C'est intéressant quand même. Ça, il faut le garder dans la popoche. Très important. Et celui-là. Ok, allez, on est parti. Il est pas mort? Ok, il est mort. Allez, on récupère tout ça. Parce que le but c'est aussi. C'est bien, ça reste, ça reste. Parce qu'en fait. Il faut quand même prendre de la viande. Ok. Mais surtout, je voudrais prendre ça aussi. Ok. J'essaie de faire vite parce que si après la nuit se casse la gueule, qu'on ait quelque chose au moins. Ok. Oui, c'est vrai, j'ai un loup ici. Il bouge pas en plus, c'est très bien. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, mais merci de pas bouger.
Allez, on va tout déposer. Parce que le but aussi, c'est de pouvoir avoir de la place avant de descendre. Alors, je vous promets rien, ça va être très très compliqué. Hop. Et hop. Ah! Zut. Ça doit être ici. Allez, ce qui est bien, c'est que moi j'ai ça, brume liquide. Je sais qu'on en a besoin. Allez, c'est parti. On touche plus à rien. Si, on touche à ça. Si, si, on touche à ça. C'est où? Flèche. Ok, super. On a un maximum de flèches, c'est très bien. On récupère encore. Alors, ce qu'on va faire pour éviter. Ok. Ah, il faudrait que je change mes touches. J'avais dit. Attendez, je vais changer mes touches parce que j'ai un problème sur. Alors, contrôle, contrôle, contrôle. Faut que je trouve contrôle. Contrôle, c'est ici. Évasion. Ok. Ok, laisse-moi voir. Ça, on verra après. Ah, c'est chiant. Ça va rester comme ça. On récupère rien du tout. Le but c'est de descendre. Voilà, il y a plein de lapins. Alors si on manque de viande et de peau, vous pouvez venir ici. Il va commencer à faire nuit. Aïe 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 aïe. C'est pas grave. Allez, on descend, tant pis. Le but c'est de descendre. Alors qu'est-ce qu'on a? On a récupéré un maximum de brindilles et ça aussi, mais ça on n'en a pas vraiment besoin pour l'instant parce qu'on a de la corde, on a de la ficelle. Ça on a déjà récupéré. Alors là c'est. Ça va être chaud bouillant. Alors, faut que je me rappelle un petit peu du chemin. Alors, ouais, faut que j'aille par là, c'est trouver le survivant, et ça on verra après. J'aurais bien aimé découvrir tout le truc ici, parce que il y a un boss ici, normalement. Tant pis, hein. Normalement, on n'a pas besoin de passer par là en premier, mais. Si vous arrivez à les choper avant, c'est très bien. Oh. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah, un anneau. Anneau. C'est quoi ça? C'est santé endurance. Et normalement, j'ai endurance santé. Yes. Du coup, ça me fait, regardez, j'ai de l'endurance et de la santé. Nickel. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Ça fait le. Ah, c'est hier, j'ai touché hier lui. Il m'a filé la même bague. Alors, vous savez à peu près où il faut récupérer cette bague. Normalement, il y en a un deuxième qui traîne. Je ne le vois pas. Il est là. Une maison pas loin. Alors tant qu'ils sont comme ça va. Mais croyez-moi, c'est pas facile. Alors en bas c'est chaud. Je vais essayer quand même de ne pas. Ah, attends. Ouais, voyez, quand vous avez l'épée là, une épée qui est par terre, qui fait signe de croix là, il faut y aller dedans. Là.
Alors, hier j'ai récupéré un truc. Il faut que je regarde un petit peu ce que c'est. Nickel. Pour l'instant, je casse rien ici, hein. Alors, là, il y a un truc. Ah, ici. Il y a un piège, ici. Oh, wow, ok, d'accord. D'accord. Super. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ficelle et feu follet de lumière. Ok. C'est pas ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est. C'est à savoir si on récupère des objets. Parce que normalement il y a un objet que j'ai récupéré hier. Alors je sais pas où je l'ai récupéré, mais je vous conseille. Ah, c'est du bois mort. Ah, il y a de la ferraille là. Ah, il y a de la ferraille, garçon. Regarde. Ouais. Regarde-moi ça. Ferraille. Très important la ferraille, garçon. Très important. Est-ce que c'est... Ouais, c'est celui-là. Ok. Je vous montre en gros ce que j'ai récupéré, comme ça vous allez voir. C'est ici là. Vous voyez? Cet objet-là, ça vous permet d'avoir 2 minutes de plus dans la brume. Et en fait, vous l'avez ici, dans le tas de... Oh, 5 secondes. Ok. C'est très bien. J'ai fait le tour maintenant. On va pouvoir récupérer ça. Et c'est parti. Je sais pas où ça mène ça, tiens. Ça vaut le coup d'y aller. Waouh. Ah, je crois qu'on monte de l'autre côté. Ah, oh, yes! Il y a une mine! Oh, il y a une mine, garçon! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, yeah! C'est une mine ou c'est un passage? Ah, top. Il m'a traité de top. Je regarde en bas s'il y a des trucs. C'est vrai que c'est très difficile de prendre son temps et de fouiller parce que vous n'avez pas beaucoup de temps en fait. Alors on va abandonner un petit peu le pierre de silex. On va abandonner un peu la brume. Pourquoi? Parce que je pense que ça vaut le coup quand même d'aller chercher le. Ah, ça c'est génial. Il faudrait qu'on y retourne là. On va y retourner. On a passé le pont. Je sais pas si vous voyez. On a passé le pont qui est ici. En fait, on va aller chercher le vieil homme. Et la mer, bien sûr. Avant d'aller le chercher. Repos. Reposer. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Regardez en haut à gauche. Vous voyez? Assis, chaleur. Reposer. Je pense qu'il doit avoir un truc, un peu un système ou que Valheim, quand vous êtes reposé, vous avez peut-être une protection ou un truc comme ça. Il y a tellement de choses que je ne sais pas encore sur le jeu. Je suis désolé, hein. J'apprends, je découvre. Alors ça vaut le coup. On va faire le tour de la tente. Allez, 5 minutes de repos, nickel. Alors ça a cassé. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, oh, yes. On a découvert un truc. Ça, c'est bien. De l'XP, on gagne de l'XP comme ça. Ok. Ce que je pensais découvrir, mais bon, je pensais que j'allais avoir quelque chose, de la ferraille ou un truc comme ça. Ok,
tour. On va aller délivrer le gars là, vite fait. Je peux vous dire que c'est chaud. Crois que je me fais attaquer par des. J'entends un bruit. Ah, c'est lui. D'accord, ok. C'est un tireur d'élite. Laisse voir. Ça, c'est. Feu follet. Ok. Oh, yes! Cool. Ça, c'est quoi? Des pierres. Matériaux de terrain. Ouais, ok. Ah, ça, c'est quoi? Des clous. Ouh, bien! Bene. Allez, hop. On va l'attaquer, lui. Yes. Allez, il va venir. Lui, il fait mal, hein. Faites gaffe. Il fait très très mal. Cachez-vous. Bien joué, garçon. Voilà. Ça, c'est un beau truc, ça. Très sympa. Bon, je vais revenir par là de toute façon. Je quand même voulais vous montrer, je voulais vous montrer quand même le parcours, mais ça, on le fera après. Il va commencer à faire nuit. Moi, j'aurais bien aimé au moins vous montrer la journée. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, hein, de. Ah, il faut toujours récupérer les brindilles, ces trucs. Oh, c'est quoi ça? Fleur d'Orioline. Ah. M'a fait sursauter, c'est quoi? Faut que j'enlève le verrouillage automatique. Quand vous avez le bruit là, le bruit de tambour, c'est que vous faites attaquer ou que vous êtes ciblé tout simplement. Hein. Luciole. Alors. Oh, il n'y a plus de fleurs. Ah! La discrétion. J'ai oublié où était la discrétion, mais c'est pas grave. Bon, ils sont gentils, hein. Ils sont gentils ou c'est pas un problème. Ça se passe bien. Il faudrait que j'en ai vraiment la le ciblage. J'aime pas du tout le ciblage. Je crois que j'avais enlevé sur mon premier truc là, mais j'avais complètement zappé. Les buissons peuvent vous cacher lorsque vous êtes dedans. Appuyez sur C. Vous accroupir et vous cacher. Utilisez-les pour vous faufiler. C'est ce que j'avais fait la première fois. J'avais écouté un petit peu ce qu'il disait. Là, il y a un truc intéressant. Je sais pas si vous voyez. C'est des barils. On va voir ce qu'on va découvrir. Je regarde s'il y a des monstres. Il n'y a rien à découvrir. Oh, zut. Ah, il va commencer à faire nuit là, c'est pas bon ça. C'est quoi ça? Tous les objets ramassés. Attends, 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 garçon. Réparer. Ah, réparer.
réparer votre équipement. Oh la vache! Mais lis un peu, mon jeune homme. Il faut lire. Pourquoi tu lis pas? Appuie sur un bouton, mais faut lire, gars. Faut lire. Oh mon Dieu. Oh, c'est une catastrophe, ce jeune homme. Une catastrophe. Ok, super. On gagne de l'XP. On se met en mode. Récupère beaucoup de trucs ici quand même, c'est bien. Récupérer, récupérer, c'est important. Alors, je sais pas ce que j'ai récupéré, mais je crois que c'est un truc pour la nuit. Le feu. Alors, c'est dommage parce que. Je voulais quand même vous montrer ça la journée, mais j'ai tardé un peu dans la brume. On gagne de l'XP, hein. On gagne de l'XP et en plus il y a un coffre en plus. Oh la vache. Oh bon, je prends. Par contre, on va tout casser. Parce que tissu, eau, ferraille. Ah oui, ferraille. Vous allez voir que la ferraille, c'est vachement important. Je peux vous dire que c'est très très important. Faut le bois qu'il y a là. Merci. La ferraille, c'est important. Pourquoi? Parce que vous avez besoin pour faire des crochets. Pour ouvrir des. Hop là, attends. Je vais regarder un petit peu ici, là. Non, tu gagnes rien. Est-ce qu'il y a du monde? Parce que moi, je suis pas du genre à. Yes. Alors, on enlève ça. On se met en mode attaque. Il est ici. Ok, super. Ah, c'est pas lui. Oh, putain. Allez, on va le taper. Hop. Ah, je suis resté coincé. C'est pas vraiment très compliqué. C'est vrai qu'au départ, je crus que c'était un allié. Et pourtant, j'avais déjà fait le jeu. La vache. Une catastrophe, ce jeu-là, une catastrophe. Alors, ça, c'est bien. Je regarde un petit peu en haut. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Parce que là, je vois qu'il y a un coffre. Mais c'est pas vraiment un coffre, ça. Oh, c'est quoi, ça? Oh, génial! Non. Ah, franchement, honnêtement, j'avais pas vu. Il faut un crochet. Vous voyez? Il faut un crochet. Alors, crochet. Est-ce que je peux le faire ici? Ah, si, je peux le faire. Vous voyez? Je vous dis, hein, il faut vraiment que vous récupérez un maximum. J'en ai pas l'utilité. Mais. J'en ai pas l'utilité, mais laisse-moi voir ça. Ça, c'est quoi? Une faux provisoire. Ça, c'est un tomahawk. Ça fait pas beaucoup de dégâts, hein? Je peux les garder au cas où si on peut les recycler. Oh, il n'y a pas beaucoup de flèches. Alors, ça, je vais bien garder ma ligne là comme ça là. Ça, je pense que pour les squelettes, c'est bien. Dégâts tranchants, il est bloqué. Ah, vous voyez, vous avez un deuxième. Alors, faut que je regarde sur celui-là. Non. Sur celui-là, regardez. Vous pouvez déverrouiller. Alors, faut que je regarde un petit peu ce qu'on a besoin pour déverrouiller ça. Ça fait dégâts tranchants et dégâts contondants. Ça, c'est pas mal, ça. Et là, ça fait dégâts perforants et dégâts tranchants. Ok. On va faire des flèches en bois parce que j'en ai pratiquement plus.
de mes trucs que j'ai, moi. 5. C'est par combien, ça? C'est par... Non, il faut en avoir 3, en fait. Ok. Allez, on va délivrer le jeune homme. Voilà, c'est un artisan, un forgeron. Charbon. Ok, ce qu'on va faire. Moi, je veux de la ferraille. Récupérer tout ce que vous pouvez récupérer. Franchement, c'est un lieu de survie. C'est un jeu de survie. Et je peux vous dire que vous avez intérêt à bien fouiller. Je regarde un petit peu s'il n'y a pas une autre porte parce que celle-là, elle brillait bien. Elle brillait bien dans la nuit. Lorsque vous avez besoin de repos, vous pouvez rentrer rapidement chez vous. En ouvrant votre carte, en utilisant le petit point, naviguer sur la carte et sélectionner votre maison. Ok, ça veut dire qu'on peut revenir à la maison. Ah, excusez-moi, téléphone. Et me revoilà. Alors, je ne me suis pas téléporté, j'ai juste sorti. Je suis sorti du jeu. Le téléphone, le téléphone. Juste sorti du jeu et du coup, ben. Du Rossum, je reviens. Allez, c'est reparti. On a récupéré l'artisan. On a été dans la flamme. Et quand vous allez dans la flamme, en fait, alors ce survivant sera un atout pour votre cause. Placez-le dans votre base avec la baguette d'invocation que vous pouvez fabriquer à partir de simples brindilles. La baguette d'invocation. Alors, est-ce que... Ah oui, d'accord, ok. Pourquoi ils viennent là, eux? C'est pas un coin protégé par hasard, ce truc? J'avais cru. Tiens, on va ranger tout ça avant. Les os. Ça, ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, je sais pas à quoi ça sert, ça. Hop, oh, on a quand même 23 maintenant, c'est bien ça. Non, c'est pas ici. Autant pour moi. Ça par contre, ça fait 26. C'est pas mal, c'est pas mal. On a chopé des bons trucs. Hein. Ok. Le bois, on n'en a pas. La pierre, on en a. Silex, on n'en a pas. Du sel. Ça, je sais où on peut trouver en fait. Ok. De la viande, on s'en fout. Ça, par contre, ça, je vais le garder. Ça, je vais le garder. Ça, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Ficelle, je garde. Tac, tac, tac. Ok. Alors, ça me paraît bien. Ah oui, c'est par 50. Ok, c'est par 50. Alors, il n'y a rien d'autre.
Bah, je vous ai dit, hein, les boîtes là. Ça, j'en ai pas besoin, mais je sais pas si on peut les recycler. Je vais regarder. Oh, potion de soin. Ah, c'est génial ça. Par contre, ça, je vais le mettre là. Et ça, c'est 30% multiplicateur de dégâts. Waouh! Ouais, si je tombe sur le boss, je peux l'utiliser. Hop, on fait follet. Ça, c'est bon. Ok. Ça, c'est ma lignée de bouffe et de trucs. Ok, super. Ok. On va regarder ce que j'ai besoin pour la baguette. Ok. Alors, ça doit être dans ça, alors. Fabrication. Ah, est-ce que c'est pas dans. Établi. Fabrication. Baguette d'invocation. Ok. Voilà, la baguette d'invocation a été créée. On va utiliser 5. Préparer la baguette d'invocation. Attends, par contre, là, je dis pas de bêtises. Invoquer l'esprit. Trouver le survivant endormi. I. Journal. Alors, invoquez l'esprit. Vous avez récupéré un survivant, placez-le dans votre base avec une baguette d'invocation. Il faut faire une base déjà. Yeah! Mais j'ai qu'un seul point! Non, 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 j'ai qu'un seul point. Laisse-moi voir. C'est assez embêtant cette histoire. On peut faire de l'éclairage en plus. Comment on fait pour invoquer ce monsieur-là? Ah, peut-être si j'appuie sur 5. Réparer la baguette. Trop loin. Ah, il y a quelque chose à faire, mais alors je me demande, est-ce que il faut pas faire un toit avant invoquer le survivant? Attends voir. On peut la réclamer à un emplacement. Ok. Vous avez récupéré un survivant, placez-le dans votre base. Alors c'est vrai que c'est pas évident, hein. Ah, il faut appuyer sur table. Yes. Ok. Maintenant qu'on l'a. Bloc de toit. Ok, il faut. Il faut du goudron. Pierre. Ok. D'accord. Ok. On va lui parler. Let's fix that up. Fabriquer. Waouh! Ah, il faut fabriquer une forge. Clou. Hache. Waouh! J'avais oublié ça, purée! J'avais complètement zappé. Alors, il faut quoi? Pierre, ferraille, charbon. Alors, il faut le four avant. Il faut des pierres. Ok. Alors, ce qu'on va faire, on va récupérer les pierres. Je crois qu'ils sont là-dedans, les pierres. Yes. On va récupérer ça. Il me semble qu'il faut des bûches. Ok, super. On va voir ce qu'il nous dit. Salut, toi. Four charbon. Fabriquer. Je sais pas s'il faut pas en faire deux. On va faire deux. Voilà. Et ça, par contre, il faut du charbon. Il faut du charbon, il faut du bois. Alors attends, ce qu'on va faire.
Ah, j'aurais bien aimé faire une maison avant, quoi. J'aurais bien aimé faire une maison avant. Ça va être long, cette histoire. Je pense qu'il faudrait faire une maison avant tout. Alors attends, ce que je vais faire. Il faut des pierres. Faut des pierres. Alors attends, la baguette elle est là. On va récupérer un maximum de pierres. Parce que je crois que les pierres c'est top. Ah, je reviens vers vous dès que j'ai fini de faire mon bordel. Allez, à de suite. Allez, me revoilà, je suis en train de faire. Alors je sais pas si ça a enregistré la récupération des pierres. Si ça ne l'a pas fait, hop, je vous montre un petit peu ce que je fais. Alors je vais essayer de regarder si je peux entourer. Ça va être compliqué cette histoire. Alors, on va prendre le marteau normalement. Je pense que c'est ça qu'il faudrait prendre. Les blocs de pierre sont là. On va voir si ça marche comme ça. Alors, bloc marteau, 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 marteau. Voilà. Alors, c'est pas comme ça que ça marche. Ah! Ah! En appuyant sur table, vous pouvez descendre. Ah ouais, mais c'est un truc de taré! Ce qu'on va faire, on va partir sur cette base. Ça comme ça. On va créer est-ce que je peux le mettre par-dessus, lui? Si, ça va être rigolo, ça. Le feu de camp, par contre, est-ce que je peux ramasser? Voilà, on ramasse le feu de camp. De faire quand même une maison convenable, hein? C'est exagéré ce que je fais, hein? Combien de blocs il me reste? Ah ouais, il me reste quand même un petit peu, ça va. Essayer de faire un truc un peu convenable quand même, pas une merde, quelque chose de suffisamment grand. Il faut voir grand, c'est très important de voir grand. Oh, bien, bien. C'est embêtant parce que je sais pas si. Ah! Supprimé. Oh, la construction, pour l'instant, je trouve que ça a l'air assez simple. Il faut savoir que c'est table. Une fois que vous avez équipé le marteau, vous appuyez sur table. Tab. Et ça vous permet justement d'afficher en fait le menu tout en bas, là, le menu déroulant. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, je suis en train de construire. Ah, j'en ai plus. Laisse-moi voir. J'ai plus de pierre. Alors, fabriquer, fabriquer, fabriquer. Alors, ce qu'on va faire, vu que on avait récupéré. Ah non, c'est pas par là. Désolé, c'est par ici. Qu'on avait récupéré. Ces trucs-là, on va les faire tourner maintenant.
Alors le bois, il est où le bois? Le bois, je l'ai ici. Des pierres. Oh, il y avait encore des pierres, garçon. On va faire, on verra ça après. Alors ce qu'on va faire, on va mettre... On va le mettre ici, tiens. On va le mettre ici. Halt, pardon. Donc ça rentre dans le moment. Hop. Je peux pas le tourner. Ah! D'accord. Ben, ça va aller comme ça, hein, garçon. Laisse voir, il est où le truc? C'est là. Ah! On peut pas le tourner? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas le tourner ou pas là? C'est quoi ce truc? Ah, c'est embêtant cette histoire-là. Il y a un moyen de le tourner, je pense, mais je sais pas. Je, honnêtement. On va le mettre comme ça, tant pis. Alors, placer ici des objets de votre inventaire pour les mettre dans des positions de fabrication. Ok. Ok, passer. Il faut. Alors, attends. Diviser. On va mettre ça là. Alors là, il faut de la terre. Ah, il faut de la terre. Oh, ça va être difficile cette histoire pour Bibi. Il faudra du charbon. Ok, ça va faire du charbon. Ok, pendant que ça fait du charbon. D'invocation, je vais voir. Baguette d'invocation qui est ici. On va la mettre à la place de ça. 6. Ah, ensuite, c'est vrai. J'avais oublié que. C'est assez grave, ça aussi. 6. Hein. Comment on pourrait faire pour le. Très bien. Déjà, c'est un peu mieux. Voilà. Alors, ce qu'on va faire. Pourquoi il me fait ça? Ah, d'accord, ok. Et là, on va récupérer la baguette avant de faire des bêtises. On va la mettre là. Ok. Ouais, même ça, j'ai peur de faire des bêtises. Ça aussi. Allez, hop, on va faire des pierres. On va faire un maximum de pierres. Allez, super. Alors, on était bloqué ici avec 5. On fait table. C'est par 100, hein? 64. Oh! Non, mais fais ça.
gentil lui. Voilà, alors ça c'est fait. Maintenant, on va essayer de trouver une solution. Alors, hop, voilà, ça c'est beau. Alors, tu vois, c'est ça que je sais pas comment faire pour le tourner. Alors attends. Ah, c'est R. Oh le con, c'est marqué à droite en plus. Boulet! Et la porte, c'est quoi? Ok, c'est ça. Voilà. Ok. Bon, pour l'instant, on va faire ça. Et on va chercher à savoir la porte, la fenêtre. Ok. Et normalement, quand on appuie sur R, alors, ce que je vais faire. Vider le stock. Dépotrier. Tout déposer. Se déplacer. Déplacer rapidement. Recharger. Tout prendre. Trier. Inventaire. Bon, c'est pas grave. C'est placé. Tant pis. Écoute. Tant pis. Tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. What have you got for me? Je le saurai pour la prochaine fois. Fabrication de la première étape. Vous avez mis du temps pour m'en trouver. Ok. Fabriquer une épée rudimentaire, goudron. Ok. Ce qui fait qu'il me faut ça. Alors, il me faut du charbon et encore des bûches. On va aller couper du bois. Du bois pour couper du bois, c'est ça. Pas qu'il y en, qu'il y ait du. Je pense pas avoir vu des loups par ici. Alors on va couper du bois. Alors est-ce que. Alors, le... je suis pas là pour vous montrer que je coupe du bois, mais là je suis en train de couper du bois et je reviens dès que j'ai fini. Comme ça vous évite de regarder un petit peu que je coupe du bois. C'est un peu débile quand même. Allez, à de suite. Hop, je reprends l'enregistrement. Alors, je vais vous montrer un truc. Alors, j'ai fabriqué une porte. Et là, c'est des pierres. Il y a du bois, fenêtre. Alors, attends, voir. Par contre, le problème que j'ai, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Alors, il faut faire sur Alt. Non. Vous allez damper. Alors, du coup, on va appuyer sur 8 et on va placer la porte. Voilà. Ensuite, on va appuyer sur le 7 pour la fenêtre. Ouais, ça me paraît bien. Hein. Franchement, ouais, ça le fait. Et en plus, ce qui est bien, c'est que quand vous êtes équipé du marteau, ici, là, par exemple, vous appuyez sur Tab. Et en appuyant sur table, vous appuyez sur Alt, et là vous avez plus de forme. Alors, plus de forme, ça veut dire que vous pouvez même faire des trous dans dans les murs. Laisse-moi voir ça. Ah, on peut même faire des escaliers. Oh, c'est génial. C'est génial. Comme ça, je peux faire des escaliers pour monter. Et je ne ferai pas de toit, en fait. Allez, on va rester sur ça. Ça c'est pas mal hein, quand même, franchement. Alors, du coup, on avait dit qu'il fallait appuyer sur R pour le tourner. Ok, et là, je vais essayer de faire un truc. Parce que là, il faut une fenêtre, je pense. Oh, d'accord. Coq qui a chanté.
chose que je fais, mais... Hop, on va mettre une porte ici. Ok. Fenêtre, fenêtre, fenêtre. Alors je fais ça à l'arrache, hein. Je suis pas doué, hein, je suis désolé. Chercher à faire vraiment quelque chose de gros. Alors, si je faisais ça, double porte. Ouais. Il y a de la musique. J'ai de quoi faire encore les trucs. C'est incroyable. 32 32. J'aurais bien aimé faire un truc ici. Tu vois, genre moi, est-ce que je fasse la porte ici? Ouais. Ok, alors, est-ce que on peut récupérer cette porte. Alors, non. Je sais pas comment on fait pour récupérer cette porte. Passer d'espace, ok. Ramasser. Voilà. Et là, à ce moment-là, on revient sur Alt, on descend d'un cran, et on bouche ici. Voilà, très bien. Et ici, on a deux doubles portes, une petite porte. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. Voilà. On va regarder dans ça si on peut faire encore des portes. Lit, table, chaise, banc. Parce que normalement il faut des portes en bois. Alors, double porte, il vous faut ça. Qu'est-ce qu'il faut, double porte, porte en bois? Alors, hop, 2, 3, 4, 5. Et là il me dit porte en bois, je comprends pas. Ah, dans l'inventaire, 0. Laisse voir. C'est quoi cette porte? Pourtant c'est bizarre ça, je suis sûr que... Ressources, porte en bois. Ferraille. Ah ouais, porte en bois brut. Et là il vous faut... Alors il faut la ferraille et bûche ferraille. Aïe. Bon, c'est pas grave. Parce que de toute façon... on a bah, tant pis, hein, pas pleurer, hein. Est-ce qu'on s'est loupé? Ce qu'on peut faire en attendant, je pense, hein, ce que je peux faire, alors on avait dit qu'il fallait à peu près, il en faut deux pour faire alors, d'accord. Ça, il me semblait que j'avais de la ferraille. Faut faire très attention à la ferraille parce que ça peut partir très vite. Alors, on va en faire 4, il me semble. Allez voir. Je vais vous laisser là-dessus parce que ce serait temps que je me prépare. Yes.
Ok. Et attends, regarde, 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 comme c'est beau. Hop, on se met sur 5. Table. Et regardez ça. Je sais pas si on peut le montrer. Alors. Alors ça doit être ici. Je pense que c'est ça. Oh, le bloc de pierre de fou furieux. C'est pas ça. Si, c'est ça. Regarde-moi ça. Je vais vous montrer pourquoi je fais ça. C'est mal fait. Ouais, j'avais oublié qu'il y avait ça. Alors, on va mettre ça ici. Voilà, très bien. Ah, ça va être. Ah! Je me suis gouré! Parce que moi, je voudrais faire une toiture, mais un peu. Un peu bizarre. Sais pas si ça va tenir par contre. Oh, ça a l'air de tenir. Nickel. Ok. Alors, maintenant que j'ai fait ça, il faut trouver une solution pour la toiture. Ah, il y avait les toits qui sont beaucoup plus grands. Regardez ça, j'ai pas fait gaffe à ça. Aïe, 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 ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du bois, ça? C'est du bois. Alors, attends, si c'est du bois, est-ce que c'est pas plus top? Pas comment je vais faire mon truc là. Ah, il me faut du bois. Ok. Alors si je fais ça comme ça et que je continue à aller comme ça, non, c'est pas bon non plus. Mais si je fais ça et que je fais ça. Faut laisser passer. Bon, pour l'instant, on s'en fout. On va mettre à disposition un lit. Très important, le lit. Alors, il faut du tissu. Oh, c'est pas mal ça. Table. Ça, table, on peut faire une table. Chaise. Le lit. Il me faut du tissu, on avait dit. Tissu, je sais qu'il y en a là. Alors, sa fenêtre, on en a besoin. Ça, peut-être qu'on en a besoin aussi. Ça, j'en ai pas besoin. Je me suis manqué. Tant pis. Tissu, j'ai pris déjà, non? Si, j'ai pris. Alors pourquoi un lit? Parce que je pense que vous avez besoin d'un lit pour vous permettre de. Comment dire? De rest, à mon avis. On va le mettre ici dans le coin. B. Alors, lit ici.
tabouret, chaise. On va le mettre à la place. Ben, attends. 6. 6. Et appuie sur R pour le tourner. Voilà. Faire les choses bien. Voilà. Ensuite, on appuie sur 8 pour le mettre une table. On va le mettre ici, la table, je pense. Voilà. Ensuite, on va aller chercher le banc et tabouret. Tabouret, on va le mettre ici. Le banc, on va le mettre là. Fenêtre. Voilà. J'ai plus de fenêtre? Oh, j'ai plus de fenêtre. Bon, on s'en fout des fenêtres pour l'instant. On a fait le plus important, ça veut dire qu'on a réussi. Alors, améliorer la flamme. Il vous faut des cœurs de brume. Ok, cœur de brume. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on va regarder si il y a du charbon. Oh, il y a du charbon, garçon. Il y a du charbon, il y a du charbon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le charbon. Ah, zut. Attends, c'est pas ça. Non. Suis pas encore habitué. Je suis pas encore habitué. Il me manque que des bûches pour faire ça. Bon, super. On va y arriver. Pense que je vais en rester là parce qu'il est déjà tard. Je vous montrerai la partie d'après. Et je vous dis ben bonne journée. Je reviendrai plus tard. Parce qu'il y a encore du boulot. Et je suis pas encore arrivé au bout du chemin. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vous dis tchuss, à plus tard. La vidéo s'arrête là.